Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. Enfin bref, t'as compris, on va pas non plus. Ah, ça fait un an qu'on se le tape. Bon, je rends lui. On va se parler de Warzone, on va parler de pas mal de choses. On ne parlera pas du SBMM, on ne parlera pas de la méta DMR, etc. On ne parlera pas des cheaters. Il y a pas mal de choses qui sont rajoutées sur la liste. On parle un petit peu de pay to win. Effectivement, le pay to win arriverait là. Là, maintenant, il y a du petit pay to win qui est discrètement comme ça sur le Warzone. Également, des petits bugs dont on verra dans le gameplay. Bug du stimulant, bug d'invisibilité, etc. Enfin bref, la liste commence à être un petit peu longue et on se demande qu'est-ce que font les développeurs. Pour rester poli, bien évidemment, pour parler un petit peu de tout ça, bon, on va pas parler des bugs stimulants et d'invisibilité. Je sais qu'il y a certains qui vont dire ah ouais, Skyros, comment on fait? Bon, je demande pas ça pour moi, c'est pour un ami, hein, bien évidemment. Non, mais on va parler d'une chose qui est assez grave. Alors, bon, bien évidemment, ils vont dire que c'est pas fait exprès, que c'est une erreur, mais on va dire qu'ils se sont pas empressés de le patcher et que je pense que ça les arrange bien. Je vais m'expliquer un petit peu, je pense que beaucoup sont au courant. Par exemple, une arme comme la Mac 10, une arme je pense que tout le monde la connaît. Donc on a deux versions de la Mac 10, on a la version de base qu'on débloque dans le pass de combat et ce gratuitement, et la variante qui s'appelle la Galanterie qu'on débloque dans le pass de combat quand on l'a acheté. Et donc là où ça devient un petit peu inquiétant, c'est que des tests ont été réalisés et il semblerait que la version Galanterie soit plus efficace que la version de la Mac 10 de base, voilà, tout simplement. Donc en gros, si tu joues avec la variante, t'as plus d'efficacité sur l'arme avec les mêmes accessoires bien évidemment que sur la version de base de la Mac 10, chose qui est absolument inadmissible bien évidemment. Évidemment, puisque c'est ce qu'on appelle un pay to win. En gros, quand tu achètes la variante d'arme, et bah tu as plus de performance dans le gameplay que la personne qui n'a pas dépensé de l'argent dessus. Alors encore une fois, je dis qu'ils vont te dire oh bah non, mais c'est pas du tout fait exprès, c'est une erreur, etc. Pour le moment, on va dire qu'ils ont absolument rien communiqué sur le sujet, et je pense que ça les arrange très bien et qu'ils font un petit peu la sourde oreille, comme pas mal de choses d'ailleurs. Ils doivent être submergés, les développeurs, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de trucs qui vont pas, le truc est en train de s'effondrer dans tous les sens. Il semblerait que la version Galanterie est plus de puissance, moins de recul, etc. Enfin gros, la différence entre la Mac 10 de base et la Galanterie, elle est insane. Et apparemment, c'est pas la seule arme. Là, c'est un youtubeur américain qui s'appelle G-God qui l'a mis en avant et qui fait pas mal de petits tests par rapport à ça. Il semblerait que ce soit pas la seule variante qu'on achète, que ce soit dans le pass de combat ou dans la boutique, qui te donnerait plus de performance par rapport à l'arme de base du jeu. Donc c'est un petit peu inquiétant qu'on en arrive là. Et bien évidemment, si vous voulez acheter une de ces variantes, n'oubliez pas le code Skyros dans la boutique. Quel enculé, quel bâtard, quel vicieux! Mais effectivement, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Les développeurs, c'est Raven. Raven, c'est eux qui s'occupent du Warzone. T'as vraiment l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Et le glitch du stimulant, où tu peux te mettre stimulant infini comme ça, donc t'as des débiles qui sont dans la zone, qui se mettent du stimulant, pendant 20 minutes dans la zone, ils se mettent du stimulant. Tu dis, bon, bah écoute, ça fait un peu bizarre avec la câble, là, non? Pendant 20 minutes, ils se mettent ça, ils ont leur victoire, ils sont trop contents. Bon, imagine bien l'état de leur vie de merde, ça doit être catastrophique. On parle pas non plus, bah, parce que ça, c'est un vrai défaut sur le jeu, de tous les accessoires qui ne font pas ce qu'ils disent qu'ils font. Ça serait un autre sujet de vidéo, on en parlera un petit peu en détail, parce qu'il y a quand même pas mal de blabla là-dessus. Grosso merdo, pour expliquer, il y a des accessoires qui disent qu'il y a aucun contrôle du recul, mais qui s'avère qu'il y a plus de contrôle du recul que les accessoires qui te font du contrôle du recul. En gros, c'est un gros merdier tout ça. Bref, je vous laisse de toute façon avec un petit gameplay, justement, avec cette Mac 10 que j'ai pas réellement utilisé jusqu'à maintenant. J'espère que vous passerez un moment. En tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça. Ensuite, la vidéo par commentaire, et t'as qui veut te faire plaisir, un petit pouce bleu, un like, c'est la récompense, merci beaucoup. Abonne-toi pour être sûr de ne louper aucune vidéo, active la petite clochette des notifications. Excellente vidéo à vous tous, les amis, sans plus attendre, c'est parti. Où est-ce qu'on va aller là? On peut se faire un petit top 1 là, tous les trois comme ça, on est là. Robin Herbie. Et comme dirait la phrase préférée de Norby, toujours ressemble à une bite en fait. Voilà. Merde. Mais c'est chiant la transition entre les coups de crosse et le pistolet. T'as eu les deux ou pas? Ouais, j'ai eu les deux. Ok, y'a un troisième derrière là-haut. Mouvement ennemi. Putain. Les... Ah, il est mort. Ouh, oh, putain, oui. Ce que je lui ai mis. Il m'avait craqué tout en plus. Une balle pour avoir d'arrêt si tu veux. Ouais, j'ai vu. Ok, parfait. Tiens, Sky, je te donne machine, tu peux t'acheter un drone si tu veux. Ouais, vas-y. Let's go. Claque le tien, si tu veux. Vas-y. Drone allié dans les airs. Ok, ça vole. Ok, vas-y. On sait où aller? Ouais, bah faut aller là-bas. J'avance. Ils sont un peu séparés. En plus, il y a un mec qui vient d'arriver dans les airs, ouais, donc du coup, il y a du goulag. Une équipe ennemie vous pourchasse. Ah, menace 3 sur 3. C'est eux devant nous, je pense, hein. Ouais.
What? Je m'attendais pas à le voir là. Bah j'ai pas vu non plus hein. Je l'ai pas vu non plus les gars, j'étais en train de regarder, je m'attendais qu'il soit ailleurs mais il nous a fait un petit brain genre dans l'angle en fait. Ouais. Ce qui est assez smart. Ouais. Attends, je balance mon drone. Zone reconnaissance sur ma position. Okay. Un drone arrive. Oh, oh. What? Ils sont pas mauvais. Mais qui c'est, il arrive à mettre des balles? Ok, très bien. Non mais reste pas là, je vais me chercher. Là vas-y. En face, bâtiment en face, moi. Attention, ouais, ils sont là. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. J'ai un silence de mort. Touchez shield devant nous. Je prends mon silence de mort, je vais aller voir si je peux aller dans le bâtiment faire un truc. Un broc à gauche. Il a jump. Il est en dessous, non, en sky. Direction, ouais, voilà. Il est au goulag. On va dire que le silence de mort a bien fonctionné. 36 mètres, il y a un gars dans ce bâtiment là. Mouvement ennemi. Sur le toit du garage Comico. Sur le toit du garage Comico. Il est crack. En place de rechange. Il est crack, je lui mets une balle dans le blanc, putain. Ah, shit. Bien joué, Robbie. La Mara arrive. Non, la Mara se barre. J'ai plus qu'une une plaque, t'as des plaques bro? J'en ai 7 là, ça va bien. Moi j'en ai pas non. Viens. J'arrive. Ah t'es en bas, ok. Y'a peut-être un mec Comico, faites attention. C'est sûr, j'ai vu la Mara, elle s'est barrée Comico. Ok. C'est dégueulasse, tu mets une balle, tu crack shield, tu remets une balle dans le blanc là. 19 mètres, il est juste là. On est ensemble. Attention! Merde, il a sauté. Oh! Oh non, c'est moi qui prends, putain! Termine de lancer! Quoi? Ouais, ça c'était obligé, j'aurais dû regarder direct derrière. Ouais. S'il survit, il sera redéployé. Mort. Bien joué. Putain, enculé, hein! Il était coréen, celui, hein! Drone ennemi au-dessus! Ouais. Et bien vu. Oh, y'a un autre gars au-dessus de nous ou en dessous? Non, c'est dans les airs, c'est dans les airs. Dans les airs? Ok. Un coffre au-dessus. Ah, j'y vais. Ah merde. Tu veux ça? Oh! Tu as tué où? Dans l'hélico? L'hélico! Au-dessus de nous là! Je peux revenir les gars? Ouais. Ouais, tu peux. Oh fais gaffe, y'a du monde toit rouge là. Toit rouge, j'ai mis à terre. Y'a des mecs là aussi. Merde, j'arrive pas à ping. Quarry, au niveau de quarry. Ouais, j'entends. Okay. J'ai mis un mec à terre sur ton point, Norby. Ok. Oh putain, le gars de l'hélico là, il était. Drone ennemi au 49 mètres, y'a un mec quarry, ouais. Merde. Ouais, je le vois. Quarry à la fenêtre. Il a mis une balle. Oh non. Ah mon shoot à la con. Ah je sais pas si c'est cette fenêtre là de quarry, my bad. What? Ah le toit vert. Le toit juste là. J'ai marqué. Ah c'est un looping, en face du Comico. Rentre. J'ai mis une frappe. Gaz en approche. Ah je suis là. Attends, on va être tranquille, ils vont pas venir. Euh. 42 mètres, ils sont au Comico. T'as vu des plaques du Comico. Ouais. Non, j'ai pas de plaques. On va faire autrement, ok? Ça arrive, ça peut, je crois. Attends. 43 mètres, moi je l'ai toujours sur le radar, 43 mètres. Ouais. Je vais essayer de voir si je peux aller sur le bâtiment. T'as ton snipe, toi? Ouais. Je vois personne sur le toit, bro. Au shop, il était au shop. Il s'est barré par derrière. Ils sont là. J'ai une cible ici. Okay. À terre. Je l'ai fini. Merci. Il y a une voiture qui arrive derrière moi. Il y a un lance-roquette qui est pas content.
Ok, la voiture elle est partie. Ok, capteur. Bon. Ah, le car c'est tellement bon, gars! Putain! Meilleure alternative versus le DMR quand t'as pas envie de jouer méta. Ah, petit hélico. Ouais. On a de l'argent pour ramener Norby, hein. On pourrait aller au shop là-haut. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oh, elle est belle. Oh, dommage. Y'a le camion, tu viens? Ouais. Oh, oh, il a plus le camion. Non, tu chill. Oh, le salaud. Il est parti au shop aussi. Bah, vas-y. Ouais. T'as raise. Double raise en plus. Lui, il va pas s'attarder, t'inquiète pas. Merci, I'm back in the game. C'est vraiment chiant les camions. Ah, c'est compliqué. Est-ce que mon loot est safe ou pas quand je suis mort? Ah, je suis mort quarry là. Très honnêtement, il y avait quand même pas mal de monde partout. Je ne pourrais rien garantir. Ouais. Tu veux des plaques, Roby? Ouais, j'en ai zéro, ouais. J'aime bien. Merci. Il y a une protection ici. Je peux. J'en ai une. On a qu'une là? Et bon, merde, non, ouais. Je peux y aller avec un mec. Non! Bon bah, suicide-toi. Et on t'a dit que c'est pas safe! On t'a dit que c'est pas safe! Tu m'as dit que je ne peux rien te garantir! Tu m'as dit que je ne peux pas te garantir, donc c'est je sais pas en gros. Oui, mais je t'ai dit quand on est parti, il y avait plein de monde. Je suis vénère. Et ça, c'est typique! Non, mais tu passes 4000 balles, il coûte 8000 balles là. Ah bah donc oui, là. C'est vrai que je vais aller sur la piste d'atterrissage avec mon pistolet, bah oui, c'est vachement plus logique. Ah non, mais c'est sûr, bah c'est mieux d'aller sur les ennemis pour mourir direct. Bah écoute, j'ai testé. Oh, ouais, bah. Incroyable ça, hein. Ouais. Ah, y'a un mec qui drop fire. Deux mecs. Attends, est-ce qu'il y a un mec à gauche? Deux mecs fire. Fais gaffe, Norby. Oh putain. Je sais pas d'où, ça m'a shoot. Viens, on va chercher la caisse plutôt, oubliez-les. Ok, ok. Je pense que ça sera plus safe, on comme ça, Norby il aura des armes. On va ici. J'ai une petite frappe à dispersion si jamais vous mettez quelqu'un à terre sur un toit ou quoi. Ils ont déjà pris leur caisse, hein. Silo, non? Drone ennemi au-dessus. Ouais, silo. Ils sont pas dans la zone. Ouais, vu. Au niveau des silos, c'était là-bas. J'avance. Même il y en avait derrière sur les bas de camp. Vas-y, on essaye. Yup. Il y a un véhicule, j'ai vu. Le véhicule, je pense qu'il est bloqué le véhicule. Ah, ok. Non, je crois pas, non. Ah, si, si, pardon. À terre. Bien joué. C'était où? Un broc, ici. Ah, ça veut pas ping, naze. Ah, au côté de la voiture, à côté de la voiture. Ah, touché. T'es à terre. À terre. Il y avait une autoréa. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Y'a pas un troisième? Si, il s'était parachuté de ton côté, Sky. J'en ai niqué un, moi. Ok. J'en ai fini un, moi, mais. Y'a une frappe sur lui, là. Ok. Bah écoute, j'en ai vu deux partir plus loin. Un qui est mort et l'autre, je sais pas. Mmh.
La zone est loin, hein. Inter, Comico. J'ai marqué une cible. J'ai fini direct. Il est dans le garage. L'autre son pote est dans le garage. Attends. J'ai marqué les cibles. Faut y aller. À vous. Hauteur de zéro. Je garde la ligne, quoi. Un crack shield. Un à terre. Ah bah. Oh, elle était belle. Et du coup, t'as eu ton kill toi aussi? Oui, bah j'ai fini direct mon kill. Ah, derrière vous. Oh punaise, oh punaise, je me suis pris à RPG là. À terre, à terre, à terre, à terre, à terre. C'est Farah. Ah bah. Bien vu. Oh, il est mort. J'ai pris un drone. Il y a une sacoche là si quelqu'un a pas. Sur le loot du shop. Déjà. Je mets une boîte de 1000 moi. Est-ce qu'il y a encore ma fafafar ou pas en bas? Depuis le temps, ça doit être fini, mec. Ouais. Ouais, écoute, ah, silence de mort par contre, vas-y. Masque à gaz si vous avez pas. J'ai repéré de l'équipement. J'ai déjà. Qu'est-ce que tu vois, des DMR par terre? C'est incroyable, hein, c'est chelou. Ouais. Bon, tu sais quoi, je balance mon drone juste par sécurité. Vive la DMR. Ok, y'a un gars à gauche. Deux gars, ouais. Ils sont dans le trou, dans le trou. Putain, c'est pas ça que je voulais. Dans le trou? Mais dis donc, mais c'est que monsieur va mourir. Ah, y'en a un qui est revenu à la surface. Et il court. Ah, ils sont trois, ils sont trois. Les ennemis. Non mais lui, il fait... Il court, un crack. Il s'arrête. Attention, court, il s'arrête. Le drone n'a plus de carte. Un crack. Retour à la base pour ravitaillement. Bon. Alors, on peut les cut, hein. Ça m'a tiré dessus à droite ou je rêve? À terre. Bien joué. À gauche. Vas-y, on y va. J'avance. Il était vers là-bas, palissade. Bah, ils vont se faire, il va se faire abandonner, non? Ouais, je pense. Je vois personne pour l'instant. J'ai mon kill. Let's go. Ils ont déjà du cross, je pense. Je pense, je les vois pas du tout. Mec, je les vois pas. Ils vont être à gauche dans le ruisseau, je pense. Hein. Non, 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 je les vois pas. Même pas. Ils ont déjà cross, je pense. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ils vont sûrement monter par là. Hein. Point orange, non? Bah pour l'instant, je suis bigleux, mais je vois personne. Hein. Non, je pense pas que tu sois bigleux, je vois personne non plus. À part si on est deux bigleux, et là pour le coup, c'est vraiment la merde. Ça serait grave quand même. Ouais, grave. Ouais, mais. Ah, ils sont pas volatilisés, les gars. On est peut-être mort de la zone, hein. L'autre. Ah, elle va pas si vite. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Ah, puis ils avaient pas fantôme et je vois rien sur le capteur, donc... Léon, il a été... Non, mais c'est qu'il a été... Il a dû être... Il a dû être très rapide. Ok, bon, bah écoute. MP. Et Empire. Chelou. À fond le Vulti. Je vois personne toujours sur le capteur. J'ai un drone, hein, si jamais. Je pense que je vais le claquer et je vais me prendre une autoréa, je pense. Vas-y. Dans les airs. Ah, les gars ils sont morts, les gars sont morts, pas possible. Ils avaient pas fantôme. Military, hein. Non. Military, bah moi je vois du full team là. Ouais, Military, il y a un truc en train de se capturer là. Ah ouais, ok. J'ai pas eu de points moi. Ah ouais, okay. Ouais, parce qu'ils ont fantôme. Des fois ça ping les fantômes au premier ping. Brock. Bien joué. Derrière le sac de sable ici. Je me déplace. Ils sont shield. À terre. Bien joué. Clé fini direct. Je sais pas où est-ce que sont, où est-ce qu'ils sont ses potes. Et tout seul. En plus, il y a plus la capture, hein. Ah, peut-être qu'ils étaient sur moi. Crashing à terre. Derrière.
faire. Bien joué. Merde. Désolé. Ah bah t'as le kill quand même donc c'est parfait. Ah oui. Je suis arrivé à trop tard pour la... pour le tuer. Ah, j'ai pas pu prendre ma prime. Y'a un camion là. Ouais. Véhicule ennemi. Touché shield une fois. Ok. J'arrive pas trop à toucher moi les mecs camion, ouais. J'ai pris un drone. Je pense qu'il y a pas grand monde dessus mais... auquel cas. Que j'aurais peut-être dû donner la thune pour une autoréa. Bon, oh, c'est pas grave, t'inquiète. On va réessayer celle-là. Oup. Le combat est fini. Y a plus un chat dans le coin. Blague fermée. Le gaz se rapproche. Il reste 22 joueurs quand même dans la zone là, c'est pas rien. Il y a 3 colis devant nous. Ok. Moi, j'ai le 4ème à droite à nous. Le 2 qui est solo, ouais. Il y a une réa direction est. Ouais. Mais j'ai déjà fantôme normalement. Je voulais pas qu'on monte là, plutôt. Pour orange. Vas-y, en vrai. Hein. On aura un peu plus de cover, je pense. On va juste faire gaffe à notre back avec les bâtiments camper. Il y a une réa bâtiment camper. Comment on aura une vision sur les colis. Et il y a un mec aussi. Qui tire juste là. J'avance. Vous direz pas d'aller voir? Normalement j'ai fantôme aussi hein. Yes. Y'a un véhicule qui arrive sur vous. Attention, le gaz se rapproche. MDR. Équipe dans la zone de sécurité. Bon, je vous balance le drone. Zone reconnaissance sur ma position. Ouf, regardez, à gauche. Ok, vous voulez qu'on joue les qui, du coup? À gauche, il y a une team là, une team là, une team là, une team là. On avance. Ah, au pire, on peut jouer le mur là-bas, un mur point orange. Hein. Moi, je suis parti gauche, ouais. Parce que là, eux, ils vont devoir sortir, ils se font tirer dessus en plus. Ils vont arriver vers moi à tous les coups. Je les entends en DMR. Attention, le drone n'a plus de... Ah, ça se tape. Un gilet de kéton, moi, plus. Oh, y'a un système trophy. Un mec à terre sur moi. On arrive, on arrive. Bien joué. Ah bah. T'as tué toute l'équipe, non? Ouais, ouais, ouais. J'ai tué l'autre aussi, hein. Ils étaient fait tuer, il y avait une autoréa. Oh mec, oh là là, tout ce qu'il y a, gros! Oh. Un mec là-dedans, maison rouge. Ah, c'est. Il y a une protection, il avance. Laissez tomber. Il a fermé la porte. Hein. Oh, le nombre de mecs morts ici en fait? Ah ouais, non, mais c'est insane. Hein. Ça devait être un moment qu'ils étaient là. Hein. Bon, y'a une team là-dedans. Mouvement ennemi. Je descends de la maison aussi. Vous avez un silence de mort là-dedans ou pas? Je crois pas. Il y a deux mecs là-bas. De là où on vient. Pour recharger mes paralysantes. De là où on vient, il y a deux mecs. À terre. Bien joué. Là où il y a point vert. On cache la maison, Skyline devant nous. Ouais. On devrait rejoindre la zone de sécurité. Je vois deux points. Oh, un truc. Oh my god. Léger les gars. Il y a encore un mec dedans. Continuez comme ça. Grenade paralysante. Il y a encore un point. Mort, sans mort. Il avait une frappe. Il est en vert, sont peut-être arrivés point là. Point là, ouais. Ok. Sympa cette petite Mac 10. J'ai une frappe au cas où. Là. Ouais. Mais... C'est ping, ils sont 3. Ah, bon. Bien joué. Ah bah attends. Le gaz se rapproche, changement de zone de sécurité. Pulvérisez-moi tout ça. Striker 3-1, bien reçu. Je prends une frappe. Au chap. À terre avec la frappe. Là t'es couru, il est là. Impact, mais raté.
Je suis à terre. Il est devant moi, il est dans le petit truc, je me tourne rien. Ok. Il sort peut-être, non? Je mets une frappe sur le oh, oh, un peu sur ma gauche. Je me tourne rien. Ah, il y a un mec à droite qui me finit. Ah, il a frappe qui me tue pas. Ah, dommage. Fais gaffe, y'a un mec au niveau de la tente verte. Pas loin de la. Il arrête, mec, il est à terre. Tente verte, y'a un mec, à coup sûr. Il est crack lui. Tu peux pas venir vers moi? Essaye. Ça te push à droite ici, à droite. Fais gaffe, ça va arriver derrière là-bas. Ouais. Ah, mais finis-moi, hein, le mec, il voit un mec à terre, il est au pied. Une sacrée gueule quand même. Hein. Bien joué, Sky. Allez, 1v2. Wow. Le gaz se rapproche. Changement. Oh, tu l'as collé. Tu l'as collé. Il est mort. Cible marquée. Pulvérisez-moi tout ça. Non. Tu l'avais pas collé. Ah, tu l'as tué après, je crois. Je l'ai tué après. Ouais. Je croyais, mais. C'est où le dernier? Je sais pas, peut-être il y en avait deux. Là, tu étais peut-être dans le gaz en train de faire son truc similaire qu'on voyait pas. Ah, ouais, c'était peut-être un mec au gaz, ouais. C'était peut-être un mec au gaz. Non, mais... dommage. Ouais, mais c'est ça, regarde. Dommage. Il y avait lui qui était en dernier, il m'a tué, il s'est fait tuer, et puis au instant, le gars il a gagné, donc ça devait être un gars qui était dans le gaz. On n'a pas eu de cas. Ils étaient là, ouais, ils faisaient le bug du gaz, voilà. Aïe. Bravo. Ah, horrible. Dommage. Dans tous les cas, on, jamais de la vie on gagnait, quoi. Ouais. Oh merde. Ah, parce qu'ils étaient dans Dunton, donc. Dunton, ça veut dire que ça faisait un petit moment qu'ils étaient en train de spammer leurs boutons, là, ces gros bâtards, là. Dans tous les cas, je gagnais pas la game. C'est ça le truc, c'est que. Quoi qu'il se passe, la situation là, que je meurs ou je meurs pas, ça change rien. De toute façon, tu pouvais pas gagner la game. À la limite, un mec qui cheat pour avoir max de kills, etc., on peut comprendre une certaine adrénaline. Mais le mec, il reste juste là dans le gaz, en train de spammer le bouton pour se remettre du stimulant, pour pas crever, et puis finalement gagner. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être heureux en disant « Putain, mec, j'ai fait un top 1 !» Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de bugs qui arrivent en même temps, tu vois. Il y a un bug où t'es invisible, il y a un bug où t'as le stimulant. Enfin, c'est des bugs. Le DMR qui a été patch, mais qui finalement, tu vois zéro différence. La liste, ça s'accumule comme ça. Au bout d'un moment, tu dis « Attends, est-ce que c'est vraiment pas fait exprès ? Et qu'est-ce qui branle pour régler tous ces problèmes ?» Tu te poses des questions quand même. Et oui, il y avait un bug au goulag aussi, où tu pouvais rentrer dans un colis, rentrer dans le goulag, et en fait, le mec avec ses armes, enfin bref. Pas des bugs, ça fait un moment qu'on sait qu'ils existent. La liste s'allonge de jour en jour, mais t'as aucun mot des développeurs. Il n'y a pas un moment où ils disent « Bon, les mecs, on est au courant de ça, on va faire ci, on va faire ça, etc. » Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils foutent. Tu ne sais pas. Alors, il y a une mise à jour le 14, mise à jour de mid-saison pour rajouter du contenu. Mais bon, si tu rajoutes du contenu et que tu, on va dire, améliore pas, change pas, patch pas, tout ce qui va pas, rajouter du contenu sur de la merde, ça va pas non plus la faire briller, quoi. Donc, je sais pas trop dans quelle direction ils vont, mais on va dire que cette semaine, ça devient crucial parce que c'est le genre de truc vraiment où, à la limite, tu dis, il y a un cheater, bon. À la limite, tu peux le tuer, un cheater, tu peux le tuer. Mais là, un mec qui fait le bug dans le gaz, là, bah tu peux pas. Non. Donc, t'as perdu d'avance, tu vois, c'est fini. Et c'est ce genre de truc qui, quand ça s'additionne, que tu dis, tiens, y a les cheaters, y a les mecs avec le bug du gaz, y a des mecs avec le bug invisible, y a le bug du goulag, tu dis, bon, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Donc, on sait pas comment que ça va se passer, mais pour l'instant, ça a du mal à passer. Avant, c'est-à-dire comme ça.